Ils sont plus de 54 000 candidats avec un seul objectif, celui d'intégrer la fonction publique et contribuer à l'éducation des enfants de la Côte d'Ivoire. Ce concours d'entrée au CAFOP ouvre le bal des examens concours au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Pour se rendre compte du bon déroulement des épreuves écrites et aussi encourager les candidats, la première responsable du ministère a visité des centres d'examen du district d'Abidjan. Les candidats ont répondu à l'appel, en tout cas en très grand nombre, il y a très peu d'absents. Et ça, tout se déroule aussi dans le calme, dans la sérénité. Ça augure aussi de bons résultats. Aux différents candidats, la ministre Kandia Camara a également demandé de bien travailler, car seul le mérite comptera à la fin de ce concours. Un concours qui se tiendra en deux étapes. Les résultats de cette phase seront connus dans deux semaines. Ensuite suivra la phase finale pour le mois de juin, pour intégrer les CAFOP de Côte d'Ivoire.